Aujourd'hui, nous allons parler de la consultation de terme. Et je suis aujourd'hui avec Amira. Bonjour. Et vous avez combien d'enfants, Amira ? Deux enfants, déjà. Deux enfants. Vous allez me dire pourquoi on fait cette consultation aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui, c'est parce que c'est le jour J. Vous aurez dû accoucher. Et quand il n'y a pas accouchement, c'est une surveillance un peu plus accrue avec monitoring pour voir qu'il y a une bonne vitalité chez l'enfant, qu'il a un rythme de base qui est normal. Enfin, un bébé qui va bien, tout simplement. Alors, on va commencer la consultation aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas gonflé. Au niveau des mains, ça va. Il n'y a pas de souci. Et au niveau des pieds, vous n'avez pas d'œdème. On va juste relever un petit peu, si ça ne vous ennuie pas. Non, allez-y. Hop là. Hop là. Là, je vais vous prendre juste votre tension. Voilà. On va juste prendre, voilà. Pendant que la tension se prend, je vais prendre la hauteur utérine. Allez-y. Voilà. Donc, la hauteur utérine, c'est quoi? C'est prendre le volume utérin et ça nous donne un aperçu du poids du bébé. Hop, je prends le fond utérin et là, je suis à 33 cm. 33 cm qui est tout à fait en rapport avec le terme. Donc, c'est un bébé de poids normal a priori. Donc, maintenant, je palpe. Voilà. Alors, c'est un utérus qui est souple. Vous avez eu des contractions? Un petit peu. Un petit peu, mais pas régulière, pas... Voilà. Alors, vous voulez sentir, Amira? Oui. Je vous guide. Allez. Vous faites ça et je vous laisse faire. Et qu'est-ce que vous sentez? La tête. Du bébé, tout simplement. Alors maintenant, on va chercher le côté du dos. Donc là, souple. Alors là, si vous voulez sentir, c'est les fesses du bébé. À la petite boule qu'on sent. Oui. Donc là, je conduis. Et normalement, j'ai le dos de ce côté. Et on va même l'écouter. Voilà. Donc là, je vais juste écouter. Vous entendez? J'entends. Et il a un rythme de basse qui est très, très bien. D'accord? Et avec ce capteur-là, c'est un capteur pour les contractions. Donc, quand il va avoir une pression ou avec ou sans contraction, on va avoir une courbe qui va se former. D'accord. Donc, je vais vous poser comme ça. Hop. Alors, je vais régler juste le capteur des contractions parce que là, vous n'avez pas de contraction. Ben non, c'est le problème. Voilà. Donc là, on a le cœur du bébé. D'accord ? Et qui bat entre 120 et 160, ce qui est parfait. Et là, c'est le tonus de base des contractions. D'accord. Alors que si on les voit monter, ça veut dire que vous en avez, mais on les sent aussi cliniquement. Voilà. Donc, on a une tension qui est parfaite, hein, 13,8. Donc, la tension, on peut enlever, c'est parfait. Alors, ce qui est bien chez Amira, elle n'a aucun signe d'hypertension, ce qui peut arriver en dernier trimestre de grossesse. Donc, si dans 4 jours, vous n'avez pas accouché, si le col est vraiment dans l'état actuel, c'est-à-dire long, postérieur, fermé, tonique, un bébé très haut, on va vous mettre un gel de prostaglandine. Et ce gel fera en sorte d'essayer d'engendrer des contractions. Et sinon, si le col, malgré tout ça, ne s'ouvre pas, on peut être amené à faire une césarienne après une tentative de déclenchement. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, c'est Lorraine, je suis interne de gynéco. Je veux faire une échographie pour vérifier qu'il y a assez liquide, que tout va bien pour le bébé. D'accord. Alors, on regarde globalement. Oui, on voit qu'il y a assez de liquide. C'est liquide, c'est une citerne, là. Ouais, là, quand on mesure, ça fait plus de 3 cm, donc c'est bon. Oh, on voit son profil, là, avec les yeux, le nez, la bouche. Ouais, tout est bien. Génial. Voilà, tout est parfait, madame, donc vous allez pouvoir rentrer chez vous. D'accord.